profiter, saluer également tout le monde qui est sous les noms, nos frères et sœurs et amis internautes, ou même qui ont la pointe de la personne de Dieu, de l'image de Dieu invisible, m'a salué dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Lumière et paix à chacun de vous. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Jean, Pasteur Karl, vous êtes attiré l'attention, nous. Nous, on a dernière ligne droite là, dernier dimanche. Et qui je dis à qui c'est 27 juin 2006, nous vraiment arrivé dans le thème, ça qui est thématique qui nous a gagné pendant tout le mois, de nous tirer dans le livre Galates, chapitre 6, verset 17, qui dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques. Et il est vrai que nous arrivés, c'est moi qui finis, c'est moi qui part. Nous avons eu l'autre 27 dans le cheminement. Le 27 juin 2021, nous n'avons pas gagné encore. Nous n'avons pas gagné encore. Mais c'est moi qui finis. Mais nous avons toujours continué à signifier la parole incarnée. Et nous, ouais, pour nous-mêmes, et c'est l'homme, nous-mêmes qui y met, comment la parole son bagage qui est important pour nous. À tel enseigne, nous qu'on dit, et des fois nous dit, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Et c'est dans même au dit de ça matin, nous joignons la parole pour nous communiquer, pour nous exprimer, pour nous entrer en communication avec frère nous, avec semblable. C'est pas la parole, nous fait l'autre monde connaître penser nos sentiments. C'est pas la parole, parfois nous formuler des ordres pendant la passer la caille nous avec Timounio. Nous fait agir volonté nous tous. Mais il en est de même par la parole. Bon Dieu, servir pour communiquer, pour traiter avec nous tous. C'est par la parole, bon Dieu, exprimer puissance, son intelligence, sa volonté. Maintenant, Jésus-Christ, qui lui-même nous porte marque sous nous, Jésus-Christ est cette parole. Que bon Dieu révéler activité, bon Dieu révéler volonté, côté bon Dieu révéler dessein. Et dans moi, distinction, on est ça. Maintenant, nous sentis, pour nous donner, après tout le mois, un pile prédicateur, prédicateur a défilé sous l'élan, l'a partagé. Bon Dieu, attendez-nous deux bagages après thématique ça. Bon Dieu, attendez-nous, premièrement, le dépouillement par la circoncision. Et deuxièmement, les marques sur votre corps pour inviter à renoncer aux anciennes habitudes. Ces deux points, ça, maintenant, nous sentons pour nous partager avec vous dans la dernière semaine. Et dans la Bible, mes chers frères et sœurs, nous demande de nous dépouiller. Elle nous invite à nous séparer de ce monde et de tout ce qui constitue nos capacités des entraves à notre épanouissement spirituel. Et nous joignons Paul, dans l'inspiration du Saint-Esprit, Paul dit nous, parole ça, dans Colossiens chapitre 2, verset 11,
Et Luther a dit, c'est celui qui vous a été circoncis d'une circoncision de la main, n'est pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et nous toujours dans marque pour porter dans le cœur là, dans le corps là. Mais la circoncision dans le temps, n'a poussé nous à fonti historicité de tous les prédicateurs pasteur Cal, pasteur Poupa, et à travers la Bible, et la circoncision dans le temps, c'était une opération chirurgicale mineure qui était constituée à couper le prépuce de l'enfant du sexe masculin. Cette opération trouvait sa source dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, l'alliance selon laquelle Dieu te dit dans Genèse chapitre 17, verset 10 et 11, côté, et bon Dieu te dit, Abraham, tout mâle parmi vous, l'étape du peuple là, tout mâle parmi vous sera circoncis, vous tous, si vous considérez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ablié n'a parlé de marque que vous portez sous corps. Et nous parlons de la circoncision. Lui-même, si pour enfants, les enfants d'Israël, si pour les Juifs, c'était le bagage qui était la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, ouais, la circoncision est venue au bagage des cœurs. Eh bien, opération ça, c'était une alliance perpétuelle. Et depuis lors, la circoncision est devenue un rythme caractéristique du judaïsme. Dans le contexte du Nouveau Testament, j'aime t'abdinouan, sur le plan spirituel, nous jouons cette opération signifierait la mort de la chair, ou le rejet de notre nature charnelle qui n'est pas régénérée. Elle est souillée et mauvaise. C'est que le peuple juif est ignoré pendant que vous avez cherché pour gagner la faveur de Dieu au travers des cérémonies et des bonnes œuvres au lieu de lui être agréable. La circoncision, les marques, c'est signe d'appartenance, d'obéissance et de consécration à Dieu dans l'ancienne alliance. C'est quelque chose de spirituel dans le Nouveau Testament. La circoncision, nous voulons dire matin, est du cœur en Jésus-Christ. Il vit l'œuvre de Dieu par l'opération du Saint-Esprit qui consiste à ôter ce qui entrave le mouvement du cœur nouveau, purifié et régénéré par la grâce de Dieu. C'est Max à circoncision, c'est mettre de côté tout ce qui est de nature pécheresse, adamique, pour laisser la liberté à la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est ça, tout le temps a répété dans 2 Corinthiens 5, 17. Mais le changement radical qu'on porte sur notre terre, les marques de Jésus, les bien-aimés, apôtre là, pendant que lui t'a parlé nous, lui t'a pas pris nous tout, que cette circoncision est l'œuvre de Dieu. Il veut nous rappeler de l'importance d'être circoncis dans le cœur en vous laissant imprégner par la parole de Dieu. Et nous introduisons la parole, Christ incarné. Nous invitons nous également pour nous placer confiance nous et notre foi dans le Seigneur Jésus. Nous enseignons nous la parole de Dieu est vivante et efficace et même plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et la puissance de cette parole qui
coupe et qui retire chez nous tout ce qui est impropre, malsain, et Dieu ne veut pas. Il retire la caille nous, tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, de le servir en nous soumettant à la parole de Dieu pour devenir un véritable chrétien. Nous recevons la marque de la circoncision dans notre cœur. Bien-aimé, nous faisons tout ou moi, m'a parlé. Nous toujours prenons verset à des références, nous réciter, nous aller dans le concours, les nos besoins, dit qui s'annouillait, nous dit moi-même, moi porter les marques de Jésus sur mon corps. Bien-aimé, cette marque, cette opération divine nous amène à connaître trois types de mort. Et nous joindre la mort au péché en acceptant de plonger dans les fonds baptismaux, en acceptant de mourir avec Christ. Selon Romains, chapitre 6, verset 8 à 11, la Bible nous dit, oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché. Il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous jeunes mort ça dans notre esprit charnel. Tant à notre esprit charnel, dans le voisin, et côté nous jeunes thème, dans Galates, chapitre 2, versets 20 et 21, la parole de Dieu dis-nous, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort enfin. Voilà où même tu as prôné les marques de Jésus. Maintenant, nous sommes sauvés par la grâce. Et la mort au monde en fuyant la convoitise de ce monde. Voilà. Si on dit porter les marques de Jésus, ou circoncis, ou bien s'amender, ça réclame automatiquement le sacrifice. Parce que celui qui est circoncis dans le cœur, n'est pas carrément le monde. Celui qui porte les marques de Jésus dans son corps, sur son corps, qui est circoncis dans son cœur, demeure éternellement. M'a dit merci pour Jésus, merci pour la parole. Et nous joignons. Et la parole de Dieu va nous pour là, dans 1 Jean 2, verset 15 à 17. La parole de Dieu dit nous, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il meurt.
éternellement. Donc, celui qui est circoncis dans son cœur demeure éternellement. Même qui circoncis. Maintenant, ça réclame automatiquement un sacrifice dans le cœur. Ou même qui portait les marques de Jésus. Maintenant, on a encouragé grandement à vous dépouiller totalement pour tenir cette marque. Maintenant, ou même qui c'est un vase d'honneur, ne soyez pas un instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez-vous à Dieu vos membres comme un instrument de justice. Avant de passer dans le deuxième point, Abdou, matin, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, mes chers frères et sœurs. Et ou même qui pas étant comme les juifs naturels, mais nous avons reçu une marque de circoncision dans notre cœur. Dans notre chair. Mais nous avons reçu la marque de circoncision dans le cœur, nous. Ce qui nous amène à avoir l'esprit de vie, l'esprit de Jésus-Christ, qui nous amène à vivre avec l'esprit de circoncision, qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Ou même qui soulève la matin. Ou même qui dit au poté les marques de Jésus. Matin, si vous t'avez libéré, si vous voulez être guéri, délivré, matin, acceptez d'être circoncis dans votre cœur. Confessez vos péchés à Dieu. Repentez-vous. Pardonnez ceux qui vous persécutent. Ne les maudissez pas. Renoncez aux œuvres mortes, aux œuvres charnelles. Renoncez-y. Marchez en nouveauté de vie. C'est exigeant ça. La circoncision, les marques faites nos matins. Et deuxième point, non pas bien temps détaillé, mais des points de 7 points pour nous élaborer. Mais nous pas de temps. Mon seul bagage, n'a pas de temps, jetons un rapide coup d'œil. Côté l'apôtre Paul a présenté nous la nature du vieil homme. Dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 17, a continué. Côté apôtre là, t'a dit nous, ou même qui gagnait les marques qui circoncis. Côté, et apôtre là, instruis-nous sur, nous t'as capable de dire, sur position, comme étant s'il y a eu qui portait les marques de Jésus sur le corps, et comment pour nous distinguer nous, les païens. Apôtre là, dit-nous dans Éphésiens, chapitre 4, verset 17, à continuer. Et ou même qui a une Bible dans mes noms, la privée, jusqu'à verset 24, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre de toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est Jésus-Christ,
C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, pour en finir, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voilà, ou même qui circoncis qui portait les marques. Apôtre l'a fait distinguo. Ou même pour ceux qui ne connaissent pas Christ, d'après Apôtre l'a, ils ont marché selon la vanité de leurs pensées. C'est de la futilité, parce que leur vie est dépourvue de tout ce qui a trait à la spiritualité, ce qui est presque normal, parce qu'ils n'ont pas de marque, ils n'ont pas circoncis. Ils sont dans l'obscurité la plus complète. Ils sont stériles. Ils n'ont aucun respect pour les affaires de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est ça la peau. C'est-à-dire, là encore, c'est l'esprit d'aveuglement pour eux, pour prendre la vérité spirituelle. Ils rejettent la connaissance de Dieu véritable. C'est normal. C'est donc une folie pour eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils vivent dans l'impiété à cause de l'ignorance qui est en eux, de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont éloignés de Dieu, ils rejettent la lumière de Dieu pour marcher dans les ténèbres. Ils se sont tournés vers l'idolâtrie, perdus tout sentiment, ils auraient impudeurs. Ils vivent dans la corruption la plus complète. Parce que c'est les gens qui passent aussi. Tout ça que nous avons dit, c'est normal. C'est nous-mêmes qui faisons la différence. Il y a sous nous. Nous ne pouvons pas vivre dans toutes sortes d'immoralités que Dieu n'a pas toléré, même gens avec eux. Ils sont livrés à la dissolution, au dérèglement. Disons, c'est au niveau de bassesse spirituelle. Ils sont descendus dans la profondeur de la perversion à nul autre pareil. Après, chaque jour, nous tendons dans les journaux, nous regardons dans les journaux, dans le monde là, nous critiquons. C'est normal. Ils sont dans les ténèbres. Ou même qui circoncis, qui portait les marques, qui gagne la lumière, qui continuait à marquer la différence. Ou pas qu'à joindre l'innormal pour commettre toute espèce d'impureté qui caractérisait une indécence. Pour adonner à toutes sortes d'abominations, même gens avec eux. Je dis à ta fait où elle on est gay, l'homme on est lesbianisme, li anormal, ou on qui n'a inceste. C'est parce que ou gata de makla. Makla, li éclairé ou. Makla, li ba ou esprit de discernement qui permet ou fait distinction ça. Moun sa yo, c'est ça quoi yo cupide comme ça. Yo avoir comme ça, ils sont jamais satisfaits de leur avoir. C'est des mounio qui prêtent pour tuer monde, qui pour faire toutes sortes de bagailles. Ils ont une passion insatiable. Ils a pour réclamer toutes sortes de réjouissances. Ils a crasé, ils a brisé, ils a tué monde. Ils ont dans bref Florida pour faire crime. Vos âmes dans mes yeux, mettre du feu. M'a regardé hier matin. Ils ont enterrement. Une cérémonie enterrement. A fait dans l'église. Ils ont débarqué, ils ont crasé, ils ont brisé, ils ont mis du feu. Ils ont brûlé 10 machines. On a couru. Parce que, ils même, ils n'ont pas de marque. Ils n'ont pas circoncis. Et ça, il caractérise mon salaud, il n'y a pas contre mon Dieu. En d'autres termes, le vieil homme, la cupidité,
l'indécence, la bassesse spirituelle, l'épideur, l'impiété, l'esprit d'aveuglement, la stupidité. Il ne voit pas que y a pas de lumière. C'est mon qui a marché dans l'obscurité la plus complète. Et nous-mêmes, maintenant, qui avons savouré thème ça, la thématique ça, que devons-nous faire pour ne pas se ressembler aux gens qui ne portent pas les marques de Jésus sur le corps? Eh bien, selon ce que même apôtre Paul là, il a enseigné nous encore dans l'école du Seigneur Jésus. Même Jean nous sortait 7 points ça. Après, il y a nous 3 choses qui ont une importance capitale. 3 choses ça qui est sur eux. Ce sont des leçons que nous-mêmes qui portons les marques de Jésus, qui sont des circoncis et nous devons toujours appliquer. Vraiment, nous devons nous débarrasser du vieil homme. Nous devons éloigner nous des mondes corrompus, des mondes qui ne vivent que par la convoitise pompeuse. Des bagailles que nous avons héritées depuis que nous avons converti, nous avons depuis nos premiers parents, nos ancêtres. Ça nous est une nature adamique. Avant nous avons Jésus, nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais notre nouvelle nature, qui est l'Esprit de Dieu en nous, nous fait peut-être crucifier cette vieille nature et enterrer, ensevelir avec Christ. Et deuxièmement, notre intelligence doit être renouvelée par le discernement. C'est-à-dire, nous devons faire un vol de faille. Notre manière de vivre, de penser, nous devons changement radical allant de l'impureté mentale à la sainteté. Laissez tout bagage ça, nous ne pouvons pas nous laisser influencer nous, mais laissez-nous influencer par l'Esprit de Dieu pour que notre pensée charnelle soit soumise à la volonté de Dieu. Et troisièmement, pour finir, cette fois-ci, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, parce que Christ qui n'a pas parlé, Christ nous prend comme modèle, Christ nous voulait imiter, Christ lui-même est la vérité. Songez devant Pilate. Et yo, le Christ a parlé étant que lumière. Et il a le fond erreur, il a le posé Christ. Tu verras qu'est-ce que la vérité. Et nous songez. Il n'a pas te répondre parce que lui-même, qui c'est elle. Vérité. Ce sont des insurconcis qui t'ont parlé avec nous. Mais nous-mêmes qui portons les marques, nous-mêmes qui pouvons dire faire pile merveille, un pile gros miracle. Nous t'avons voulu maintenant apprendre une telle thématique pour ne pas marcher suivant voie, peuple juif là, malgré que tu es, bon Dieu, se fait. Bah, ils mangent dans le désert, ils font la mer rouge, ils font des gros prodiges au lieu de servir vos dieux, ils plutôt à la guerre, on a idolâtré, ils ont servi vos dos matin. Au regard de cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous-mêmes qui portons les marques, qui s'est porté parmi les circoncis, qui appliquaient au 2 Corinthiens 5, 17, dans vie où côté toutes nos activités sont devenues nouvelles. À ce stade, nous travaillons pour se ressembler à Christ, pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en une conduite de justice envers nos semblables et la piété envers Dieu. Bien-aimés,
Matin, n'a dit on soyez renouvelé par l'esprit d'intelligence, par l'esprit de discernement pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre nature doit être différente. Nous te parlons et dans une des interventions, nous te parlons de la nature de Christ en tant que prophète. Christ, parfois, en tant que sacrificateur, en tant que fils de l'homme. Nous-mêmes, matin, nous devons être différents de monde si là qui pas connaît Christ, qui ne porte pas les marques de Jésus sur le corps. Monde ça yo considéré comme tant que le monde n'est pas capable de dire sans pas manquer de dégâts, qui a presque agi par un instinct. Spirituel. Mais le monde qui connaît mon Dieu, qui a la vie de Christ en lui, la parole de Dieu, les appelle l'homme spirituel. Ce sont des mondes qui ont jugé en tout temps, qui ont jugé tête, qui n'ont pas quitté jugé par personne. Maintenant, Abdou, ce monde que Dieu relève à la sanctification, c'est le monde que bon Dieu mande nous, maintenant, pour nous renouveler, pour nous renoncer à nos vieilles habitudes. Renoncer aux anciennes habitudes. C'est là qu'on a quitté au matin. Abdou, soyez béni. Ou même, vous portez les marques de Jésus qui fait partie des circoncis. Soyez béni. Soyez toujours joyeux. Soyez content. Et en vous, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Et que cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre divin sauveur et rédempteur. Bon dimanche, bonne adoration. Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.